travers un hommage qui lui a été rendu par l'Agence algérienne du rayonnement culturel. Meis Harb, une chanteuse syrienne qui est venue partager des moments d'émotion avec les fans de la diva libanaise Fairouz, de son vrai nom Nouhat Haddad, qui a fêté le 20 novembre dernier ses 82 ans. La soirée était très réussie et le public était merveilleux. Ce dernier était mélomane d'un grand niveau. Il a réagi pendant toute la soirée. Le choix de chanter le répertoire de Fairouz n'est pas fortuit. Fairouz reste mon idole, bien que je chante d'autres répertoires. Elle a une très belle voix douce, elle a une très très belle voix. On n'a rien, non comment, on n'a pas à dire sur sa voix. Si c'est une personne qui chante dans les génériques de films, hein, j'espère que ce ne sera pas la dernière soirée. Enfin, j'espère qu'elle reviendra parmi nous. Cette chanteuse, fan elle aussi de Fairouz, a interprété pour les amoureux de la musique orientale classique des anciens titres du répertoire de la diva, comme Kif Kinta. Cette soirée était aussi une occasion pour le public de découvrir une voix douce et une artiste plein de talents. J'ai travaillé sur plusieurs films et feuilletons en Syrie, notamment des pièces théâtrales. J'ai même interprété des rôles dans quelques films et feuilletons syriens qui ont eu un grand impact médiatique. Une soirée très nostalgique et un public très attentif quand il s'agit de